Bonjour à tous, Solitinois, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans les Terres Oubliées. Suite à la mise à jour de Scar, en fait, on a enfin les corbeaux qui sont disponibles avec cette mise à jour. Donc, je vais te montrer tout de suite comment faire pour les nourrir et quoi leur donner à manger. Donc, pour les apprivoiser, en fait, c'est assez simple. Tu t'approches d'eux, là, comme je le fais, et tu attends qu'ils te tournent autour sans bouger. Donc là, tu attends, voilà, tu vois, ils font un ou deux tours au-dessus de ta tête. Ensuite, ils se posent comme ça. Là, tu fais approcher. Et ensuite, tu les nourris. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces petits gourmands? C'est plutôt simple. Il faut leur donner un plat 5 étoiles. Uniquement un plat 5 étoiles pour qu'ils te donnent un cadeau. Donc voilà. Alors, moi, cette fois-ci, j'ai eu un morceau de souvenir. C'était la première fois en fait que j'en nourrissais un. Donc comme tu as pu le voir, c'est relativement simple. Après, ça veut dire qu'il faut toujours avoir des places 5 étoiles dans son sac avec soi pour donner à manger tout simplement aux animaux. Bon, on voit la maison citrouille là, malheureusement personne n'est arrivé dedans. On peut toujours pas y aller, mais voilà. Au moins, les corbeaux sont arrivés. On sait maintenant comment les apprivoiser. Et c'est plutôt simple. Il y a en tout 5 différents... on va regarder ça tout de suite. 5 différents corbeaux. Alors, hop là, attends. Je vais pas y arriver. 5 différents corbeaux. Donc, on les connaissait déjà, hein. Il y a le blanc, le bleu, le brun, le classique et le rouge. Là, on a vu un blanc et je pense qu'on a vu un classique ou un rouge. Voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo assez courte. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, ça me fera super plaisir. Si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Et puis, si tu as des questions, ça se passe en commentaire. Je te dis à bientôt. Bye!